nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai changé de couleur de cheveux, hein, mais c'est pas le sujet. Vous allez peut-être être un peu perturbé par ma tête, mais vous allez vite vous y faire. Hein. Je suis revenue au vous après quelques mois passés en tant que brune. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui fait suite à des achats que j'ai fait il y a quelques temps. Je n'ai pas filmé depuis un petit moment, car même au niveau de mes lectures, en fait, j'ai ralenti mon rythme. Enfin, ce mois-ci, c'est... Pour l'instant, on est le 22 mars et j'ai lu 3 livres. Voilà, dont un qui était assez long à lire, qui demandait beaucoup de concentration. Mais je vous en reparlerai dans le prochain update lecture. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura que 3 livres dans cet update, car il y a pas mal de choses à dire sur les différents sujets. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, justement. Avec le premier livre, donc je me suis fait une mini commande, enfin j'ai commandé un seul livre qui est le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc là c'est Hollow City de Ransom Riggs toujours. Toujours au format le livre de poche qui est assez fluffy. Alors j'ai vu sur certaines vidéos, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Enfin moi je fais partie de ceux qui apprécient beaucoup. Et voilà, il tient bien dans la main, je trouve qu'il n'est ni trop grand ni trop petit, la taille d'écriture me convient parfaitement. Voilà, donc je ne vous lis pas le résumé pour celui-là car je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier tome. Toujours est-il que voilà, on va suivre toujours les aventures de Miss Peregrine ainsi que des enfants particuliers. Et je pense qu'on va découvrir de nouveaux personnages. Alors, je crois que le contexte était pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans le premier livre, si je me rappelle bien. Voilà, donc je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. Je mettrai une petite alerte spoil hein, pour ceux qui n'ont pas lu le 1. Mais voilà, je me suis fait une petite commande, donc c'est un livre neuf que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, j'ai fait des achats en fait chez Easy Cash, comme d'habitude. Je cherchais le tome 2 de Cabaret. Dont je vous ai déjà parlé dans la chaîne, j'essaierai de vous mettre un petit lien ici en i. Donc je me suis, j'avais pas envie de poche cette fois-ci, donc j'ai pris que des grands formats, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il y a des fois où on a juste envie de prendre des grands formats, et c'était le cas, donc j'ai fait quand même des bonnes affaires. Le premier, il s'agit d'une édition de chez France Loisirs, c'est « Quand soufflera le vent de l'aube » d'Emma Fraser. Donc Fraser... Pour ceux qui sont fans de Outlander, comme moi, quand j'ai vu Fraser, en fait, j'ai pensé à Jamie, évidemment, et j'ai regardé le résumé qui m'a beaucoup plu, donc je vais vous le lire. Une jeune femme médecin volontaire pendant la Première Guerre mondiale est confrontée au secret de sa jeunesse. Donc en plus, ça se passe sur l'île de Skye. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? En 1905, Isabelle, 14 ans, n'a qu'une idée en tête, devenir médecin. Son amie Jessie, fille de métayer, veut être infirmière. Quand Isabelle rencontre Archie, le frère de Jessie, tous deux éprouvent immédiatement une profonde amitié mêlée d'attirance. Lorsqu'un drame survient sur l'île, tous trois sont brutalement séparés, mais désormais un terrible secret les lie. Serbie, 1915, donc soit 10 ans après, Isabelle et Jessie, qui ont réalisé leur rêve, ont répondu à l'appel pour partir sur le front, au péril de leur vie. Leur retrouvaille par hasard dans un hôpital proche des combats est un choc, et le souvenir ressurgisse. Que s'est-il passé à Skye, et qu'est devenu Archie? Voilà, donc je l'ai payé 3 €, donc autant vous dire que j'étais très contente. Donc comme d'habitude, il y a souvent les jaquettes de France Loisirs, mais voilà, en dessous il est comme ça. J'étais très contente, je trouvais qu'il était en très bon état, et 3 €, ma foi, j'ai dit allez, on va se laisser tenter. Je passe au livre suivant et il s'agit d'un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot aux éditions de Noël. Je vous mets la couverture ici. Pareil, je l'ai payé 3 €. Donc pour un grand format, il est quasiment en état neuf, hein, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Pareil, la jaquette, ils ont décidé de remettre en fait la jaquette du film. Hein. Je pense avoir vu quelques passages du film, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu le film en entier. Donc je me suis dit, allez, je vais me le lire. Je vous lis le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Ils étaient 5. 5 soldats français condamnés à mort par le conseil de guerre pour s'être automutilés. 5 soldats qu'on a jetés dans la neige de Picardie un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie pour qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté désespérément de survivre.
Le plus jeune était un bleuet. Il s'appelait Manek. Il n'avait pas 20 ans. Après la guerre, Mathilde, qui aime Manek d'un amour à l'épreuve de tout, va se battre pour le retrouver, mort ou vivant. Elle y sacrifiera ses jours et malgré le temps qui passe, malgré les mensonges et la loi du silence, elle ira jusqu'au bout de l'espoir insensé qui la porte. Donc, on nous dit que ce roman a été couronné par le prix Interallié 1991 et il a été porté à l'écran en 2004 par Jean-Pierre Jeunet. C'est donc le sujet donc, qui traite de la Première Guerre mondiale, alors que dans le livre précédent, on était à l'époque de la... Non, rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Non, rien à voir, bref. Ah non, c'est parce que j'ai parlé de la Seconde Guerre mondiale pour m'espérer rien, bref. Ensuite, encore un grand format aux éditions J.C. Lattès. C'est un Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Alors celui-ci, il n'était pas dans ma palle spécialement, hein. Pas dans ma wishlist, je veux dire. Celui-là, je l'ai payé 4 euros, pareil, il est en excellent état. Franchement, bon, j'avais pas vu, mais il y a juste une inscription devant, marquée France, je sais pas. Bref, je me dis si c'était pas... Non, quelquefois, il y en a qui revendent les... Vous m'avez compris. Bref, je vous lis le résumé. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je suis aussi quelle illustre. Comme tant d'autres familles. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Voilà, je ne suis pas certaine, hein, comme je vous dis, qu'il était dans ma wishlist. Mais comme c'était un Delphine de Vigan et que je sais qu'elle est assez populaire depuis plusieurs années maintenant, voilà, j'avais envie de lire un de ses titres. Ensuite, alors celui-là, il m'avait fait envie pendant un moment. Après, j'avais un peu changé d'avis et après, je me suis dit, bon, si jamais je le trouve pas trop cher, je vais essayer de me faire ma propre opinion, hein, on verra bien. Je crois que c'est un diptyque, mais je n'ai trouvé que le premier. Non, alors voilà, il y avait les deux et j'en ai pris 15 que j'étais, voilà, au cas où j'étais pas sûre d'aimer. Donc, je l'ai payé un peu plus cher celui-ci, je l'ai payé 6 euros et l'état n'est pas nickel, hein. Il est assez bon état, c'est juste que la couverture, elle a un petit peu vécu, donc je vous mets ici The Book of Ivy. Je n'avais même pas dit le titre. Demi Angel, donc chez Lumen. Peut-être que vous comprenez maintenant que je sois fan des éditions Lumen. Je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, il est passé énormément sur beaucoup de chaînes BookTube, sur Instagram, etc. Mais voilà, j'avais envie de me faire mon propre avis. Car à la base, au premier abord, il m'avait tenté. Et c'est suite à plusieurs avis, en fait, de différentes personnes sur BookTube que j'ai changé d'avis. Donc, je me suis dit... Autant il ne faut pas se laisser trop influencer pour le positif, mais autant pour le négatif, quelquefois c'est bien de se faire son propre avis, sachant que de moi-même, si je n'avais pas vu d'avis sur BookTube, je l'aurais acheté en fait, si j'étais tombée dessus comme ça. Voilà 50 ans qu'une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. Un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes a fini par se former, et ce qui reste des États-Unis d'Amérique s'est choisi un président. Mais des deux familles qui se sont affrontées pour obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. Aujourd'hui, les fils et les filles des adversaires d'autrefois sont contraints de s'épouser chaque année lors d'une cérémonie censée assurer l'unité du peuple. J'ai 16 ans cette année et mon tour est venu. Voilà, je nie pas tout, hein, pour pas trop spoiler, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le livre. Je ne sais pas du tout quand de ce que je vais lire, mais comme d'habitude, je vous en reparlerai en point lecture dès que ça aura été lu. Alors, il ne m'en reste plus que deux, je vais commencer par celui-là. Ici, j'ai un thriller qui est Le Chant des âmes de Frédéric Rapilly. Et je n'ai pas les éditions. Édition critique. Voilà. Je vous mets la couverture juste ici. Alors voilà, j'avais aussi envie de trouver un thriller. Je n'ai jamais entendu parler de cet auteur. Alors si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner d'autres titres qu'il a écrits. Quand des touristes découvrent le corps crucifié d'une jeune femme au cœur de la forêt de Brocéliande, les médias se déchaînent et l'affaire fait vite la une de l'actualité. Alors que la police s'oriente vers un rituel satanique, Marc Torcan, ex-grand reporter, est chargé d'une contre-enquête par son ancien rédacteur en chef. Accompagné d'une photographe inexpérimentée, il comprend rapidement que la police fait fausse route. La veille du meurtre, la victime semble s'être rendue à une rêve partie. L'enquête prend un tournant inattendu lorsqu'en Thaïlande, un deuxième cadavre est retrouvé en marge d'un événement similaire.
Pour le journaliste et sa coéquipière, la chasse au scoop se transforme en chasse à l'homme. Seul, il se lance sur la piste d'un tueur en série qui choisit ses proies dans le tumulte et la fièvre des nuits électro. Celui-ci, je l'ai payé 4 euros, il est en assez bon état. Ouais, juste un petit peu corné sur le devant au niveau des coins. Un petit peu abîmé. Mais sinon, voilà, le résumé m'avait vachement tenté en fait quand je l'ai lu dans le magasin. J'ai dit, bon, allez, je vais le prendre. Et le dernier que je vous présente, alors je ne sais plus, je crois que j'avais vu un titre ou deux qui étaient sortis dans des sorties du mois que j'avais repéré il y a je sais plus quand. Il s'agit d'un titre de Lucinda Riley qui est La jeune fille sur la falaise, en grand format toujours, je vous le mets ici, voilà, édition Le Club. En plein chaos sentimental, Grania Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. Voilà, déjà quand on est en Irlande, ben, ça me plaît. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aurora Lyle, une petite fille étrange qui va changer sa vie. En trouvant de vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unit leurs deux familles depuis des années. D'une histoire d'amour impossible à Londres en temps de guerre à une relation compliquée dans le New York d'aujourd'hui, de la dévotion pour un enfant trouvé aux souvenirs oubliés d'un frère perdu. Les destins des Ryan et des Lyle s'entremêlent tragiquement depuis un siècle. Mais quel est ce secret à l'origine de près de 100 ans de chagrin? Obsédante, exaltante et bouleversante, l'histoire d'Aurora raconte le triomphe de l'amour sur la mort. Voilà, ça m'inspirait vachement. Et petit fait personnel, Aurora, en fait, ça m'a fait sourire car... c'est le nom d'un des personnages de mon roman que je suis en train d'écrire, enfin, que j'ai commencé il y a plusieurs années, que j'ai commencé vraiment à bien reprendre et à retravailler. D'ailleurs, à ce sujet, je vais me faire une petite pub vite fait. Hein. J'ai publié, je crois, les 5 premiers chapitres déjà sur Wattpad. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en commentaire, d'aller en barre d'informations, je vous mettrai le lien. Il s'agit d'une histoire fantastique pour un public assez adulte quand même. Enfin, voilà, il y a des scènes un peu... Dans les 5 premiers chapitres, il se passe rien de folichon, mais... Enfin, je le vends bien, hein, mais il n'y a pas de scènes choquantes. Mais par la suite, voilà, il y a des scènes qui seront un peu plus dures. Donc voilà, c'est centré sur le fantastique. On va parler de magie, de sorcellerie. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire pour le moment. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos le lien pour aller lire ça. Et surtout, donnez-moi des retours, hein, que ce soit des commentaires sur Wattpad ou même sur une de mes vidéos. N'hésitez pas, justement, je cherche du monde pour me donner leur avis sur... Je sais français ce que j'ai dit. Bref. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit book haul vous a plu, qu'il y a des titres que vous ne connaissiez pas et qui vous ont peut-être donné envie, je ne sais pas. Pour ma part, je vais essayer de tourner... Ah, faut que j'arrête de faire des E. Voilà, 2 semaines sans tourner et ça devient catastrophique. Je vais essayer de tourner le prochain update bientôt pour qu'il soit en ligne assez rapidement. Et je vais essayer aussi de reprendre un rythme de lecture... un peu plus entre guillemets soutenu, enfin comme j'avais l'habitude ces derniers temps, car là entre l'anniversaire de ma filleule et la pâtisserie et le fait que je sois bloquée sur les Sims 4 en ce moment, oui je retombe en enfance, c'est pas grave, j'avais envie, des fois on a des périodes où j'avais moins envie de lire, mais là je sens que c'est en train de revenir parce que je suis passée à autre chose avec un livre qui m'a... C'était le manifeste par rapport aux droits des femmes et au mouvement hashtag MeToo. Donc voilà, c'était un peu compliqué à lire. Et après ça, j'avais plus trop envie de rien lire en fait. Donc j'étais un peu dans une période de no lecture. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller me promener. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de vos proches. Et à la prochaine. Ciao, ciao.